Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Notre thème pour le vidéoblog cette semaine, c'est le marché bail. On a tous de bons souvenirs et une impression du marché bail, peu importe où on habite, dans la ville ou dans la région. Donc, c'est un beau projet pour nous de travailler sur les investissements dans les espaces publics du marché bail. Ça fait plusieurs années que c'est étudié et maintenant, la ville est finalement prête. Elle a un rapport qui aurait dû venir devant le conseil en juin. Cependant, à cause de l'incertitude financière due à la COVID, le rapport va venir devant le conseil municipal cet automne. C'est important d'analyser ces composantes-là. On va faire demande au gouvernement provincial et fédéral pour de l'argent stimulé pour un projet aussi important et d'autant d'envergure. Avant de parler à la gestionnaire responsable de l'étude, j'aimerais aussi vous donner une petite mise à jour sur la réouverture de la province de l'Ontario, qui a annoncé lundi dernier une réouverture qui donne une opportunité à plusieurs entreprises de réouvrir. C'est important pour une zone comme le marché bail, surtout pour les restaurants et les différents détaillants. La zone d'amélioration commerciale nous a relancé il y a quelques semaines, demandant à la ville de coordonner les efforts pour les fermetures de rues, l'expansion des terrasses, les espaces piétons et aussi ce qu'on appelle communément les click and collect, les zones pour les différents détaillants. La ville a complété le plan. On regarde une opportunité de fermer l'avenue William, l'avenue Byward, certaines zones de York et Clarence. Maintenant, c'est aux membres des entreprises de confirmer cet effort et puis en espérant qu'on puisse appuyer ces entreprises. Composante, pour vous donner un petit aperçu, on se souvient des terrasses dans le marché. S'ils réouvrent sur l'empreinte actuelle, c'est moins d'un tiers de la capacité habituelle par la distanciation requise. Donc, l'importance de l'expansion pour même avoir une capacité habituelle est super primordiale. Donc, en espérant que les entreprises de tous les milieux, parce qu'ils ont différents intérêts, c'est pas tous qui ont des terrasses, c'est pas tous qui ont des restaurants, ont aussi à cœur ces efforts et ces investissements. Alors maintenant, on lance au thème du jour. On rencontre Jill Savage, qui est la gestionnaire de toute l'étude des investissements dans l'espace public du marché bail, un projet compréhensif. Vous pouvez avoir tous les détails sur mon site web à mathieufleury.ca. Jill? Aujourd'hui, Jill nous met à jour sur l'ensemble de l'effort où nous en sommes sur le plan. Le plan est maintenant disponible en ligne. On va en regarder quelques aperçus. Vous pouvez évidemment aller sur mon site web, mathieufleury.ca, pour avoir la présentation. Il y a quelques défis techniques, donc ce sera sur le site web de la ville dans quelques jours. C'est un plan qui est exhaustif. Il y a plus de 150 diapos qui expliquent les détails, l'analyse complète de ce qu'il a fait. Jill souligne l'ensemble de la participation citoyenne jusqu'à présent. Extraordinaire, évidemment, le marché est populaire. Les gens, que ce soit les locaux, les entrepreneurs, que ce soit les gens de la région, aiment le marché, ils veulent y participer, comme je mentionnais dans mon introduction, puis ce qu'elle signifie, c'est qu'il y a une belle participation. Le consultant a pu mettre ça dans son ensemble et à plusieurs reprises valider certains des points d'analyse, certains des enjeux. Mais il y a beaucoup de points en commun qui ont également été repérés dans tout ça. On parle d'un embellissement. On parle d'espaces accueillants, d'espaces piétons pour pouvoir faire de la programmation et de l'animation à travers ça pour appuyer la zone commerciale dans son ensemble. Ce que Jill présente, c'est le plan directeur, la zone sur laquelle on parle. On parle vraiment à l'ouest, le parc majeur, au sud, la rue Rideau. À l'est, on parle de Cumberland, mais je vais revenir sur ces thèmes-là. Puis évidemment, au nord, on parle de l'avenue Saint-Patrick. Comme vous voyez, ça inclut pas toute chaque section. Là, on peut penser par exemple au nord de Dalhousie ou à l'est de Dalhousie, Cumberland pour certaines zones. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les principes de ce qu'on recherche à voir améliorer, que ce soit l'espace piéton, les lampadaires, la verdure, tous ces concepts-là sont en place. Ils ont été vraiment analysés pour le centre du marché, mais reflètent l'ensemble de la zone commerciale entre, de Sussex à King Edward, à Rideau, au Parc Major. Donc, c'est l'ensemble de la zone, mais vraiment, l'effort a été mis dans le centre du marché.
C'est une zone qui a, on parle des 9 rues là, principales, 3 km de rues, 25 intersections, tout près de 10 hectares d'espace public, deux points centraux ou deux points d'accès principaux. Et puis évidemment, les espaces piétons qui sont existants, là, il y en a 4 qui sont révisés. Jill souligne à travers ça quelques éléments qui sont essentiels dans tout ça, les analyses qui ont été faites, particulièrement comment le district central du marché passe par le corridor de l'avenue York. Maintenant, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est la vision. C'est important d'avoir une vision claire, commune, pour que l'analyse puisse se faire, pour qu'on puisse avoir le feedback du public, ce que l'on a eu à travers les dernières années. Ceci, c'est juste pour vous rafraîchir la mémoire sur la vision qui a débuté l'analyse de l'équipe. 7 grands points pour le contexte qui est présenté, des idées qui transforment la zone. On les appelle en anglais les big moves, qui peuvent vraiment influencer là, ce que l'espace peut être. On parle des promenades piétonnes. Ça, c'est le premier. Les promenades qui puissent vraiment accueillir les gens. Le deuxième, c'est le corridor d'accueil, qui est un corridor plus nord-sud. Ça, c'est l'avenue William, l'espace piéton, qui existe, mais qui est encore configuré comme une route. On part William de la station du train léger William et Rideau vers le nord pour se rendre à l'avenue Clarence. On a fermé depuis plusieurs années une section Troupière de York, puis on ferme un corridor entre l'avenue George et l'avenue York. Comment on pourrait la rendre comme espace central, la colonne vertébrale du mouvement nord-sud du marché? On parle aussi de l'espace le long de Byward, où habituellement il y a les fermiers. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cet espace-là, parfois inaccessible, qui est difficile à programmer durant les différentes saisons, alors permettre de revenir à un marché plus adéquat? Vous avez vu certaines des images au début qui permettent ça. Plus loin, on connaît bien le bâtiment du marché, mais Jill mentionne aussi le stationnement de la ville au coin là, entre Parent, Clarence, Byward et York. Les opportunités de rendre ça comme un bâtiment central, transformer aussi, c'est pas à l'encontre des besoins de stationnement, reconfigurer, prendre profit de certains des redéveloppements dans la communauté pour transférer ces 300 espaces-là de stationnement, mais toutefois, pas perdre l'essence des améliorations qui sont nécessaires. On parle d'un point central du quadrilatère. Les autres points au niveau des grands changements, les espaces qui peuvent être flexibles quand c'est animé, facilement fermé pour différents types de programmation. Tout dépendant des saisons, quand il n'y a pas rien, que ça permette aussi de fonctionner comme un réseau routier. Il y a des idées qui ont été proposées, alors ce n'est pas un versus l'autre, il y a une combinaison de la capacité. Jill parle vraiment de réalignement, puis on va parler plus spécifiquement de l'avenue York dans quelques instants. Le point final, c'est pour la grande transformation, c'est également la verdure, améliorer le paysagement de l'espace comme tel. Il y a des surfaces qui sont très dures. Évidemment, Cumberland et York, c'est un bel exemple de plaza, mais dans le centre du marché, il y a beaucoup, beaucoup de ciment, beaucoup, beaucoup d'asphalte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour transformer ça?